Entre le business de transport et l'agro-business, qu'est-ce qui est plus rentable? Dans quel business tu peux te positionner? Oui, AgroAlpha a fait des recherches concernant ces deux business. Déjà, AgroAlpha, sans vous cacher, est dans l'agro-business. Nous avions aussi fait les recherches concernant les business de transport. Aujourd'hui, pour mettre en pied, c'est-à-dire qu'en circulation, un bus, il faut au moins 7 millions de francs CFA. Mais par contre, pour avoir un retour à l'investissement, parce que lorsque nous investissons, un bon investissement est caractérisé par un retour à l'investissement très rapide. C'est ça un investissement qui est sécurisant. Mais par contre, avec les bus, lorsque vous investissez 7 millions, le retour d'investissement intervient à 9 mois, si seulement si vous avez un bus parfait. C'est quoi un bus parfait? Un bus parfait, c'est un bus dont tu ne payes pas l'équipage, c'est un bus qui ne tombe jamais en panne, c'est un bus qui ne paye pas les papiers, c'est un bus qui travaille du 1er au 30. Donc pour faire un RI, c'est-à-dire un retour investissement, il faut attendre au moins 9 mois. Vous allez comprendre avec moi que c'est très risquant, c'est un investissement qui est très dangereux. Oui, je n'ai pas dit, comprenez-moi bien, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas évoluer en investissant dans ce genre de business. Mais lorsque tu veux démarrer, tu veux te lancer dans le monde des affaires, il est préférable que tu te lances dans l'agro-business. Avec 7 millions, tu peux diviser 7 millions en deux. Si tu as trop peur, tu prends 3 millions 5, tu mets dans un compte en banque. Avec 2 millions, avec ton temps et ta force, tu peux lancer un hectare de pastèque. Comme ici, nous sommes en train de lancer un hectare de pastèque. Avec un hectare de pastèque, tu as pratiquement 7000 poké l'hectare. 7000 poké, tu as deux pieds de pastèque chaque poké. Sur deux pieds, un pied de pastèque, tu as deux fruits. Ça dit que tu auras 14 000 pieds. Multiplié par deux fruits, tu as 28 000. Plutôt, tu as 14 000 fruits. Multiplié par deux, tu as 28 000 fruits l'hectare. Prenons juste, vous aurez 28 000 fruits. 28 000 fruits, si on prend, lorsque tu as mal travaillé, ça dit la moyenne, le poids moyen, c'est 3 kilos. Vendons le kilo à 50 francs. Depuis que le monde est monde, le kilo ne peut pas se vendre à 50 francs, même dans le champ. Mais vendons juste le kilo à 50 francs. À 3 kilos, ça veut dire que tu as 150 francs le fruit. Quand tu fais 28 000 fruits multipliés par 150, tu as près de 4 200 000. Lorsque tu investis 2 millions en 90 jours, donc entre 90 jours et 120 jours, donc je disais en 120 jours, tu as un retour investissement et tu as un bénéfice de 100%. Donc je ne sais pas pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les jeunes, nous sommes encore en train de se lancer dans ce business. Si c'est pour se faire voir, c'est pour dire tu es un boss, tu as un équipage que tu payes, c'est bien. Mais si c'est pour se faire de l'argent, commence par l'agro-business. Et les bus, les taxis, tout ce que tu veux, tu peux emmener ça après.